Hey Dane, tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur le sommet des Trois Becs. Donc voilà, donc là on est sur les Trois Becs, hein, bien sûr. Donc voilà, on voit un peu la vue, tout à l'heure je vais vous montrer plus de vue. Donc là c'est creux, alors, moi je viens de la route de là-bas, j'ai fait tout ça. Après j'ai dû garer la brêle tout en bas, un parking, c'est à 1 km. 1 km 200 d'ici. Ce petit parking, oui, parce que j'ai fait la marche. C'est derrière cette colline. Donc c'est énorme, énorme. Voilà. Donc on se retrouve là au 3 Becs. Et salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve au 3 Becs. Donc là, je suis au sommet des 3 Becs. Donc comment dire, je me suis lancé un petit défi. C'est de grimper au 3 Becs. Sans eau. Donc je n'ai pas d'eau. Juste une bouteille d'essence. Pourquoi une bouteille d'essence? Bah pour ma brêle, bien sûr. Donc là je suis au sommet des Trois Becs. C'est la première fois que j'y vais. On se retrouve avec le beau paysage là-bas. Donc mon village Bourdeau qui est... vous voyez, enfin, par là-bas. Hein? Ouais. Enfin bref, je me suis lancé ce défi. D'aller aux Trois Becs sans eau. En fait non, je voulais vraiment de l'eau, j'ai envie de coca d'eau. En fait j'ai vraiment oublié d'en prendre. Donc voilà. C'est surtout pour Pascal que je fais ça. Donc merci Pascal. Là je suis crevé, je transpire, j'en goûte, c'est quoi. Oh, je vais rentrer chez moi, je vais me noyer. Soit j'ai soif. Bon, je dois encore tout redescendre. Donc, comme je vous disais, comme Pascal me disait, montre-nous les plus beaux endroits de chez toi. Donc, j'allais pas faire le coup de vous montrer ma salle de bain. Ça, c'est chez moi. Donc, je me suis dit, le plus beau endroit de la Drôme, que je trouve de la Drôme. Et surtout qui est le plus proche de Bordeaux, enfin proche, c'était les Trois Becs. Et j'ai toujours rêvé d'aller aux Trois Becs. Donc me voilà aux Trois Becs. Je suis aux Trois Becs, voilà. Ça me fait plaisir. Donc ben, c'était une idée à Pascal, hein, comme je vous disais. Donc abonnez-vous à Pascopal. Donc là je te montre en gros les plus beaux endroits de chez moi. Donc les Trois Becs. Là t'as vraiment le truc là. C'est un bout des Trois Becs, ça. Donc je vais te montrer jusqu'à où il descend. Donc c'est où il y a eu des escaladeurs morts. Les trois escaladeurs morts, faut regarder sur internet. T'imagines un peu? T'as de ces oiseaux, t'as de ces vents. Très frais. Tu fais vachement plaisir. Donc là-bas, on voit tout là-bas. Les Trois Becs, c'est plus haut que tout. Là on est à 2000 mètres facilement, là-bas on voit les voitures. Donc par où je suis monté quoi. Donc là-bas on a une autre montagne que je pensais monter, mais du coup je suis monté ici. Et là-bas nous avons, parce que là vous avez les Trois Becs, hein. Vous avez un, les trois, enfin là on est deux, trois, enfin bref, ici c'est les Trois Becs. Donc, comme prévu, voilà. On se retrouve au sommet. C'est génial. Allez, regarde, on voit ça. Il fait de ses cris. Putain. C'est juste magnifique.
Et bien sûr, d'ici, on peut voir le lac. Donc, bah, on va redescendre là-bas. Donc, je me suis pensé aussi, ça doit être un bon endroit l'hiver pour faire la luge, tu sais. Tu descends tout là-bas. Bon, c'est quand même bien en pente. Donc, nous, on va reprendre le chemin qui descend, qui amène jusqu'à là-bas. Ouais, ça y est, on est redescendu du Trobec. C'est le mode descente qui a dû monter. Voilà, on était tout en haut là. Si vous vous rappelez. Donc là on fait de l'escalade un peu. On est escalator 2000. Bon bah on va redescendre un peu. That girl got booty. Look at that dog. Ass so fat you can see it for the fun. Yeah, she out of space, but I gotta admit, shorty turn around her face look like shit. I call it bitch hippo. Yeah. Baby, you a song on the beat. Shorty turn around her face look like shit. I call it bitch hippo. Turn around and face look like shit. I call it bitch hippo. On va atterrir là-bas, nous. Donc j'ai croisé des chouettes personnes m'expliquant tous les noms des montagnes, donc ces deux personnes, Pépé et Mémé. Pépé et Mémé m'ont expliqué que tous les noms des montagnes, donc c'était juste énorme. Donc ouais, donc du coup ouais, je compte encore faire grimpette. Donc il m'a conseillé cette montagne là-bas. C'est elle qui est plus difficile. Donc voilà, c'est magnifique. Il m'a raconté un peu tous les noms des montagnes. Ça fait plaisir. Il m'a dit, à bientôt, espérons qu'on se croise aux montagnes. Donc voilà, ils sont super sympas. Ils m'ont un peu expliqué, donc ça fait 60 ans qu'ils vivent ici. Donc 5 ans, je m'en fous. Ils viennent une à deux fois par semaine ici, ça craint. Faut être bon. Faut être un bon. Faut être solide. Faut être fou. Faut être fou. C'est une fois par siècle, donc une fois dans ma vie. Non, je déconne. Non, peut-être que je vais refaire un jour. J'ai dit. C'est tellement beau, tellement merveilleux. Comme il disait, c'est qui une belle vue. Donc c'est pas la première fois qu'ils y vont. Enfin, plusieurs fois qu'ils y vont. Surtout son mari, elle m'a dit. Son mari, il y va au moins une à deux fois par semaine. Donc ça craint. Ça craint. Il m'a demandé s'il n'y avait pas de lama ou je sais pas quoi. Il y avait des crottes de tout ça, là, toutes ces conneries, hein. Des bestioles. Il n'y avait pas croisé de bestioles. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y en a. Ça m'a motivé à revenir. Donc bah, c'est un goût de reviens-y. Enfin, pour le moment. En vous disant, je me suis cassé la gueule une fois, tout à l'heure, là-haut. Et tellement en pente que tu te casses la gueule en 2 secondes. Je me suis cassé la gueule une fois. Ils ont la motivation. Moi j'y retournerai pas avant un petit moment. Je retournerai peut-être quand il y aura de la neige. Ce sera une petite expérience, mais avec de l'eau, tu sais. 5 litres d'eau, mais ça j'ai.
bouche pâteuse. C'est pas plus mal que je suis allé tout seul au 3B. Parce que là, franchement, ça me fait bizarre de dire que je suis allé au 3B. Quoi. Personne ne va me croire. Enfin, quoi que si, j'ai la vidéo. Donc, voilà, la prochaine fois, je viens avec 20 litres, 1000 litres. Ça, j'ai la bouche, mais j'ai hyper soif. Je suis soif. Donc, ça fait plaisir. Il y a de la descente, il y a des cailloux, il y a de la vue, de la très belle vue. Paysage, donc cette vidéo va durer un petit peu longtemps, excusez-moi. Donc, ils m'ont dit, ah, mais c'est à vous la petite brêle en bas, petite mobilette. Je fais, ouais, fait, vous inquiétez pas, elle est toujours là. C'est depuis tout à l'heure, je me pose la question, est-ce qu'elle est encore là ou si elle est plus là? Parce qu'il y a des voleurs ici, malheureusement. Ce n'est pas un pays calme, comme tous les gens le croyaient. Méfiez-vous, excuse-moi, j'arrête pas de me ramonter. Méfiez-vous. Oh, la clope, allez, j'ai soif. Mais je vais descendre, mais je vais accélérer à fond. Je vous jure, j'ai trop soif. Allez, on se retrouve en bas, vraiment tout en bas au parking. Allez, ciao.